Salut tout le monde, c'est Carlo Combs. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Witcher 3. Et oui les amis, on continue notre petite aventure qui a bien commencé je trouve. Si vous vous souvenez, on a réussi à trouver le nid du griffon. Ça c'est la femelle et donc en gros comme ils l'ont tué, le mâle il pète un plomb, il essaie de buter tout le monde. Donc voilà. Donc le chasseur nous a aidé à trouver ça. Et maintenant on va aller voir l'herboriste pour qu'il nous donne les herbes pour pouvoir attirer le griffon. Donc voilà les amis, on y va. Je pense qu'on va peut-être réussir à le tuer aujourd'hui le griffon. Mais on verra. C'est chaud, je vois rien là. C'est quoi ces trucs rouges, ces croix rouges? Plus vite. J'ai l'impression que quelque chose essaie de me buter. Bon, je sais pas, j'ai pas vu. Saute. En avant. On est arrivé. Allez les gars, on y va. Oui, donc j'ai toujours pas réussi à savoir comment on faisait pour les compétences, mais bon, on verra ça plus tard. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi l'évidence. C'est la fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter, Sar, quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Je doute que l'empereur Ymir s'intéresse à vous. Mais je crois que le capitaine est un honnête homme. Il n'y a pas d'honnête homme dans la ronde. Il n'y a que des exécutants. Oui, bon. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe. Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous, vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Bon allez, on va aller trouver nos herbes là. On me dit pas où je dois aller hein, en fait. Elle est où ta rivière là? Ah elle est là-bas. Alors bon. Ah ah, j'en ai trouvé. Merde.
Mais tu remontes à la surface. Je peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Ok les gars, faut qu'on aille voir Vesemir pour qu'on puisse tuer le griffon. Allez, on y va. Allez Vesemir, t'es où Vesemir, mon pote? C'est l'heure d'aller tuer le griffon. Mais non, mais je suis con ou quoi? Putain, il est con, il reste bloqué là. Omelette, il s'appelle? Ah non, Hamlet. C'est bien, Hamlet. Hamlet, ok. Ah, ça, c'est le champ de Boyan Klinik. C'est un bon gars, maître sorceleur. Oui, oui, d'accord. Dites-moi, ce Boyan, vous pensez qu'il va inspecter son champ prochainement? Pourquoi faire? Il y a encore du temps avant la récolte. Bon, on y va. C'est l'heure. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerprin. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs. De l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Allez les gars, c'est le moment de tuer le griffon. Faut que je prépare une potion. Ok. Ouais, mais j'ai pas... Merde. Pour potion et tout, parce que j'avais pas lu, sinon j'aurais fait en 2 secondes. Alors maintenant, dès que j'ai des infos, maintenant je lirai, parce que franchement, je me suis mis dans la merde, j'ai pas lu et je savais pas ce qu'il fallait faire. Pendant une heure, après j'ai dû recommencer de la rivière à venir ici et tout. Enfin, donc voilà, allez les amis, on va chasser ce que nous attendions tous depuis un petit moment. Alors on y va. Ça va être épique, ouais les gars. Par ici. C'est bon, Vesemir, on est prêt? Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. À mon avis, on va pas attendre longtemps, tu vois. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kaer Morhen.
C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kaer Morhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Allez, il va arriver, j'espère, bientôt. Oh, oh. Le voilà. Ça. Il est tout proche. Une arbalète? Je l'ai gagné au cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Cool. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Allons le buter. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Aïe. Non, je rigolais, hein. Il est où, il est où? Bon. Tu es quoi, toi? Enfuis, je fuis. Mais non, mais moi je veux prendre. Oh. Allez, viens là. Viens là! Ne le laisse pas s'enfuir! Mais non, viens là! Mais non, il va où? Reviens ici! Il va s'écraser, je m'en bats les couilles, je vais le niquer, il est là. T'es où, mon beau? Merde. Je suis prêt à le défoncer! Il est où? Mais non. Tu vas où, toi? D'où tu touches?
On l'a eu. Pas mal. Pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Ok les gars. Non mais moi je veux pas. Bon, on va lui couper la tête, les gars. Une petite tête. Vous avez vu, je lui ai coupé la tête, sérieux. Allez, là, sur moi. Bon. Alors, les amis, on va aller voir ce gentil soldat là. Alors, on donne la tête. Et ce serait tout pour cet épisode déjà. Franchement, les amis. Alors, j'ai failli crever pas mal de fois, on va dire, parce que voilà. Les loups, c'était nul, hein. Pour l'instant, c'était le seul gros truc que j'ai attaqué pour l'instant. Bon, c'est déjà pas mal, là, je me plains pas. T'as un griffon, les gars. Bon, mais t'inquiète. Vibre. Ce doit être aussi dégagé. Du nerf, Ablette. Suite d'énergie, je sais pas encore vraiment ce que c'est, on verra ça plus tard. Bon, allez. Il va être étonné quand je lui amènerai la tête. C'est bien, Ablette. Ouais, mais faudrait aller plus vite quand même, Ablette. Oh. Hashtag gros bâtard. En avant. Va monter avec la tête hein, donc bon. Si je suis obligé. Ok, je la monte. Bah oui, il faut quand même. Allez, Wouah, le mec il galère. Bon ok, je pensais qu'il y avait peut-être une passage pour les chevaux, mais non, t'es obligé de passer par là. On n'y va pas au galop, sinon il montera pas. Ah, oh, fait chier, bon. Mais je suis sérieux là? Chier, il se passe comment, moi? Plus vite. Oh. Galop, Ablette. Bon. C'est bien, Ablette. Bon, je pensais que je pouvais monter avec, mais non. C'est pas possible de monter avec. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non!
Par les dieux, pitié! Quoi? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour, maintenant. Où est partie Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Ah ! Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Réponse avant la fin du temps. J'aurais peut-être dû la prendre, mais bon. Moi, je vais te les faire arrêter, tu vois. Il est dedans, on peut rien faire, putain, sérieux. Je vais lui ordonner d'arrêter ça. Raisonnable. Ça lui a pas plu, hein. Bon. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo quand même. J'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, tchuss tout le monde!